Elle ne laisse rien paraître, cachant sa détresse pour éviter que son entourage s'inquiète. Toujours là pour son frère, son père et sa mère. Elle fait tout pour ses proches, mais ils ne font rien pour elle. Un gros manque d'attention, d'affection sous tension. Dur d'y croire, mais sa joie de vivre est un mensonge. Ignorant son mal-être, les gens se confient à elle. Facile de conseiller les autres, dur de se conseiller soi-même. À force d'encaisser, son caractère se forge. Énormément de faiblesses, mais l'allure d'une femme forte. Allongée dans son lit, les yeux fermés, elle cogite. Personne à ses côtés, ses espoirs ont pris la fuite. Beaucoup de problèmes personnels, mais tellement de problèmes de famille. Personne à qui parler, pas le choix, elle garde le sourire. Dur de faire semblant, pour garder l'info, elle se dit que c'est qu'une question de temps. Dans son regard, tu veux venir, tu crois qu'elle va bien, elle garde le sourire, mais au fond, elle a mal. Elle a mal. Elle joue un rôle jour et nuit, contrôle sa détresse, en gros, elle subit, car au fond, elle a mal. Elle a mal. L'amour ne lui sourit pas, elle manque de chance et de confiance, déçue à chaque fois. Elle ne croit plus aux belles paroles, ni aux histoires de love. Elle a trop donné, mais eux ne voulaient que son corps. S'est en fait avoir, aujourd'hui trop méfiante. Quand un homme lui parle, elle fait semblant d'entendre. Renfermée sur soi-même, peur du regard des champs. Son moment préféré, le soir, seule dans sa chambre. Même face au miroir, elle retient ses larmes. Se dit qu'il y a pire qu'elle, mais aimerait en tirer l'alarme. Devenue insomniaque entre cauchemars et idées noires. Perdue dans un brouillard entre vertige et crise d'angoisse. Elle n'arrive plus à s'en sortir. Au bord du gouffre, elle veut sauter. La situation s'empire, qui est-ce qui pourrait la sauver? Elle veut tout stopper ce soir. Pour elle, sans les trop. N'est-il pas trop tard? Va-t-elle partir dans trop tôt? Son regard, tu veux lire, tu crois qu'elle va bien. Pour éviter qu'on la questionne, à force de vouloir rester seule sans s'en rendre compte, elle s'emprisonne. Personne la voit, personne n'entend, pas du genre à crier au secours. Elle se dit qu'hier est loin et que demain est un autre jour. Dans son regard, tu veux lire, tu crois qu'elle va.